Le Vietnam au nord est frontalier de la Chine, à l'ouest du Laos et du Cambodge, deux pays dont il est séparé par la cordillère Annamitique. Cette chaîne de montagnes court sur près de 1100 km. Au sud, elle laisse la place au delta du Mékong et au nord, au delta du fleuve Rouge. Cher, les noix de cajou chez vous. Ça coûte environ 10 euros par kilo au Vietnam. Alors voilà notre habitation avec en face la rivière. Nous sommes vraiment pas mal. Graine de la liane là est très dure et on peut faire aussi des bracelets et des polypores. Pomme de cajou. Le pamplemousse, un peu de la citronnelle et le fruit de février. Et on peut faire. Thank you.
On repart. Ouais, on repart. On revient pas. Nous sommes à la toute fin du 19e siècle. Paul Doumer, alors gouverneur d'Indochine, recherche une région au climat favorable où implanter une station climatique, cité de villégiature pour les Français en mal de fraîcheur. C'est Alexandre Yersine, médecin, chercheur et explorateur, qui en 1897 lui suggère une région qu'il a découverte 4 ans plus tôt lors d'une expédition. Les températures y sont bien plus douces que dans le reste du pays, et le lieu remplit 3 exigences importantes. Une situation d'altitude, 1500 mètres, facile d'accès et alimentée en eau. La ville de l'éternel printemps est née. À partir des années 1900 et en 40 ans, Dalat se développe rapidement, en se munissant de toutes les infrastructures d'une ville moderne, services publics, gare et chemin de fer, casino, cinéma, golf, hôtel. Dalat accueille les classes aisées françaises de Saïgon qui y font construire de somptueuses villas rappelant les styles en vogue dans la métropole. Chalets savoyards, demeures art déco, maisons basques, normandes ou alsaciennes. La ville est très vite prisée pour son confort et son raffinement. Et devient aussi la destination des classes vietnamiennes les plus privilégiées, dont Bao Dai, dernier empereur du Vietnam, qui y possédera jusqu'à 3 palais. Aujourd'hui, Dalat n'a rien perdu de son attrait touristique. Son climat frais, sa douceur de vivre et son patrimoine architectural en font une destination idéale pour un séjour culturel ou romantique. Des touristes.
Là, c'est le portique d'entrée. Oui, on a aussi branché. Vous trouvez souvent les statues des tuteurs du Bouddha. Ça représente la puissance. Blanchir ou non. D'accord. Il faut que vous alimentez. Ouais. Je sais pas ce que c'est.
Oui, mais elles sont libres de mettre les couleurs qu'elles veulent. Hein. Elles n'ont pas de modèle vraiment. La musique des gongs. Un ensemble est toujours constitué d'au moins trois gongs nommés par des termes de parenté. Gong grand-père, mère ou père. Les Menong utilisent un ensemble de six gongs plats et un autre de trois gongs à bosse. Les gongs plats sont frappés sur la face externe avec le poing par les Menong. Les gongs sont sacrés et leur musique permet la communication avec les esprits yang. La musique des gongs est indispensable à la majorité des rituels familiaux et communautaires.
Alors là, il y a des crocodiles. Ouais, il ne faut pas mettre les mains dans l'eau. Hein. Il fait d'un seul morceau de glace, ces pirogues, là. Hein, Jean-Louis, tu crois? Je pense, ouais. Des beaux yeux, hein. Je dirais qu'ils mettent du col. Là, chụp hình là người ta bảo là bún đốt đó. Alhamdulillah. Lại này.
Come on. Can I eat? Okay. Can I eat? Yes. And this one, peanut. Is so when you eat, you have to put it a lot. C'est chouette. Et voilà. Thank you.